Aujourd'hui, je vous présente mon ordinateur, celui avec lequel je fais tous mes montages, celui avec lequel je joue. Ça fait environ 5 ans que je l'ai, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, pour un ordinateur comme ça, déjà tout monté. Donc c'est un HP Pavilion. Il a, comme vous pouvez le voir là, un i5 à l'intérieur, processeur i5, donc 2,67 GHz. Qui s'overclock en fonction de son utilisation. 8 Go de RAM, il était venu d'origine avec 6, j'ai rajouté une barrette de 2 dedans. 64 bits avec Windows 7. Et j'ai un petit problème en ce moment, ça c'est l'espace. J'ai dû brancher deux clés USB. Parce que j'ai plus de place. Par exemple, pour vous faire le montage, la tondeuse McAllister partie 2, j'ai toutes mes vidéos là. Par exemple. Vous avez vite dit que l'attraction était peut-être. Voilà. Donc c'est là-dedans. Si je vais dans YouTube, vous pouvez voir, genre, YouTube ça me prend, comme espace ça me prend. Voilà. Dossier film aussi qui est pas mal. Tout ce qui est photo, musique. Ouais, là, ça va. Mais du coup, j'ai plus de place du tout sur mon ordi. J'ai fait plein de nettoyage, j'ai viré tous les jeux, je me servais pas, mais bon, j'ai toujours pas cette place. Alors, en même temps que je suis allé voir pour l'attraction, mon mécano il m'a dit: je veux même pas entendre parler de ta McAllister, tu te débrouilles pour tes roulements. Je me débrouillerai, j'ai référence. Je suis allé chez eux là. J'ai pas trouvé les douilles pour démonter, ça je me débrouillerai. Je suis allé chez eux. Voilà. Hors taxe c'est 66, avec les taxes c'est 80. Donc voilà la petite bête. Oui, donc aujourd'hui, vidéo sur les ordinateurs. Je bricole pas mal. Les ordinateurs, j'ai un montage qui avait crash justement quand j'en ai fait un. Voilà, petite bête, son film anti-statique. Donc 1 Tera, 64 MB de cache, c'est un 7200 tours minute et c'est un Western Digital Blue. Donc en fait, il y a la gamme Green qui est vraiment la gamme économique, vraiment entrée de gamme. Il y a la gamme Blue, c'est ce que j'ai acheté parce que c'est tout à fait correct et c'est ce que j'ai dedans. Et après, il y a Red, qui est un peu plus, et Black, qui est complètement pété. Donc, j'ai pris Blue, parce que ça me va très bien. Et c'est déjà assez cher comme ça. Et j'ai pas besoin d'un disque dur vraiment puissant, parce que c'est que du stockage de données. C'est pas un disque dur sur lequel j'ai mon OS, ni rien. C'est vraiment que du stockage de données, et je suis pas très pressé pour ça. Enfin, par exemple, je mets 8 Go dedans, je peux attendre 2 minutes, quoi. Quand je mets 8 Go là-dessus, ça me met environ 4-5 minutes. Pour vous dire à quel point j'en peux plus. Ok, ouais, il est bien emballé. Ils l'ont emballé, tac. Donc aujourd'hui, faire une vidéo sur comment installer un disque dur dans votre ordinateur. Premièrement, ce que je vais faire, c'est juste couper le son. Ça vous évite peut-être des interférences. Mon petit micro à deux balles. Qui fonctionne pas trop mal. Premier truc à faire, bon, je vous montre juste, je multiplie ce qui va là derrière, qui se recoupe là, et je préfère le couper là. À chaque fois que j'arrête l'ordinateur, je coupe là, par exemple. Donc là on peut voir, c'est juste les tempés. Je vous le restaure, voilà, donc ça devrait se réafficher bien, voilà. Carte graphique aujourd'hui elle est allée jusqu'à 55 et 30 la dernière fois, elle a tourné toute la nuit. Lui jusqu'à 68 dans les exotiques, ouais, ça fait 17 heures qu'il est en route mon ordi. Et j'ai bossé 8 heures dessus pour vous faire vos montages. Je suis couché à 2h30, il est midi et demi. Je me suis levé à 8h. Je suis un peu fatigué. Peu, mais bon, plus en ce moment je suis en stage, alors je bosse et tout.
Arrêt en cours. Windows 7. HP Pavilion. J'aime bien mon écran Philips qui s'éclaire bleu. C'est vraiment sympa, surtout quand on joue ou regarde des films. Donc la bête s'est éteinte. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans parce que j'ai pas mal bricolé des trucs. Donc je l'éteins là. Ouais, je vais peut-être vous mettre ça droit. Allez, éteins-toi, petite lampe. J'ai éteint là, donc. Je vais le débrancher quand même. Fuck. Ça, c'est mon écran. Très branché sur ma carte graphique d'origine, une GT220. Donc ça, c'est mon micro et mon casque. Ça, c'est les deux clés qui m'ont servi pendant... Putain, elles sont chaudes. Pendant toute la soirée. Ça, c'est mes prises auxiliaires. Et là, il y a la souris et encore une autre prise auxiliaire. En fait, les USB, je les ai fait remonter, là. Ici. Il y en a une, c'est pour ma clé internet. Et l'autre, c'est... Je peux brancher la caméra. Pour bosser tranquillou sur sur l'ordi, je vais me mettre là. Il y en a qui diraient ouais c'est pas bon au niveau électrostatique. Bon, ça va juste me décharger un peu avant. Il suffit de toucher ça ou une caisse d'ordi ou ce que vous voulez, ça va. Là, juste à remettre bien la caméra. Je trouve qu'on voit un peu mieux par ici. Alors je vous ai mis là. Donc, je vais commencer par enlever cette vis derrière. Donc, on peut l'enlever à la main ou avec un tournevis. Voilà. Je vais prendre un petit réceptacle pour mettre les vis. J'ouvre l'ordi. Voici l'intérieur du HP Pavilion. Donc Alim d'origine HP. D'ailleurs j'ai jamais regardé les sorties là-dessus. Nombre de watts, c'est une 300 watts. Donc voilà. Écrit en chinois, japonais, tout ce que tu veux. Donc elle n'a jamais été ouverte encore. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir. Ma carte mère apparemment c'est une N1996. Il y a des petites informations en plus dessus, mais il n'y a rien de très intéressant. AM BIOS de 1999. Petite carte graphique. NVIDIA GeForce GT220. Je l'ai overclocké. Pas mal overclocké d'ailleurs. Je vais faire un petit nettoyage en même temps, pas faire de mal. Faut juste. Ouais, très rapide. Oui, c'est un peu sali dans les derniers jours, parce qu'il y a pas mal tourné. Donc voilà ce que j'ai. Ce disque dur d'origine, Seagate Barracuda 7200 tours minute avec 12 MB de cache et 700 Go de mémoire. Un produit en Chine, encore une fois. Est-ce qu'il y a la date dessus? Date code. Ouais, 2010. 3 ans? Non. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que j'ai cet ordi. Que 3 ans? C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Ça doit faire 4 ans que je l'ai cet ordi, pas 3 ans. Ouais, non. Donc j'ai encore des petits ports que je pourrais connecter.
J'en ai pas l'utilité. J'ai encore USB là, donc je pourrais rajouter. Ce que je vais peut-être faire d'ailleurs aussi dans cette vidéo, c'est que je vais rajouter un port USB parce que j'en ai besoin à l'arrière. Donc le i5 est là-dessous, refroidissement d'origine, qui est pas top. Si je chauffe à 60, même 68 on a vu tout à l'heure, ouais. Mais ça c'est quand je fais du traitement vidéo. Donc on a un petit SATA qui va au disque dur d'origine, là, donc j'ai encore une place dans la petite cage de HP qui se démonte avec des Torx, c'est pour ça que j'ai un petit set de Torx là. Ouais, donc je vais déjà ressortir la fiche USB que j'ai. En fait j'ai rien à rajouter dessus parce que j'ai pas la... C'est, je sais plus comment ça s'appelle ça, franchement je suis désolé mais... Ouais, je vais juste rajouter peut-être un port USB vu que je peux en mettre un et en profiter. Bon, devant on a deux connexions USB, le casque et le micro. Je suis bien curieux de savoir où ils vont, le casque et le micro, c'est les deux là. Essayez de les suivre. Ouais, donc ça c'est casque et micro. La jaune et le blanc c'est USB comme il y a marqué. Ouais, donc ça c'est pas une micro ATX, ça, je crois que c'est une ATX tout court. Comme carte. Et dedans j'ai un lecteur DVD. CD en même temps graveur, donc c'est un HP d'origine aussi. J'ai un lecteur multicarte bien pratique. Là, on a quoi? Ouais, des codes encore, et puis bah rien de bien spécial derrière. Bon, j'ai pas mal de sorties USB, c'est déjà pas, c'est bien pratique. Je vais en rajouter encore. Sortie vers un câble. De fibre optique pour le son. Sur ma carte graphique j'ai sorti HDMI, en plus ça c'est pas mal. Bon, je vais passer un petit coup de nettoyage dedans et puis je reviens. J'ai retrouvé la fiche USB dont je parlais, USB 2.0. bon, c'est pas tout neuf, mais... voilà. J'ai mes câbles SATA, j'ai mon disque dur. Mais je suis prêt à l'alimenter. Mon tournevis avec la T15 en vis Torx. C'est pas très facile de bien vous positionner avec la caméra. J'ai démonté les deux vis là. Il me semble que je dois enlever le cache avant. Et avant ça, je voulais vous montrer aussi autre chose. Pour ça, j'ai besoin de vous mettre à la lumière. Voici le devant de mon HP sans rien. Et là. J'ai installé un petit ventilo qui normalement doit être utilisé dans ce genre de slot là. Vous voyez, avec la grille qui est censée s'emboîter et qui ressemble à ça au bout. Ça en fait, ça vient clac comme ça dedans. Ça tient par derrière. Et ordi, il avait pas de problème pour extraire l'air chaud, enfin si un peu quand même, mais ce que je voulais surtout c'est qu'il y ait de l'air frais qui rentre. Alors dans l'expansion bay comme ils disent, j'ai enlevé le truc en plastique, j'ai mis une vis avec un boulon pour tenir ça. Vu qu'il n'y a pas de deuxième lecteur, vous voyez, l'air frais arrive là, et bon bah ça prend sa place là, mais l'air frais arrive là et puis c'est bien quoi. Ça je l'ai relié. Connecteur là, où il y a des petits fils dans tout flou là. C'est tout ce que je voulais vous montrer niveau refroidissement.
et ça me fait baisser l'ordi de 4 degrés, un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Bouge le radiateur. Je lève mon tapis. Ce que je fais quand même. Là-dessus, on a juste deux vis comme ça. Logiquement, ça se glisse. On appuie là. Ça se lève. Ouais, ça se lève. Donc j'appuie au fond sur une tablette et ça se lève. Voilà. Brancher le 10. Poussière dans le fond. Pourtant j'ai déjà démonté la fond, cet ordi est nettoyé le fond. Ça va y aller, c'est propre. Donc je vais installer l'autre dans la cage. Ça j'ai besoin d'un peu de place. Je vais en profiter pour nettoyer le fond. Maintenant que c'est tout propre. Je vais voir ça. T'inquiète pas, super. Voilà. Dedans j'ai deux caps SATA avec les petits embouts, tout neuf, j'ai acheté ça en brocante, mais pas acheté cher. Je vais faire un disque dur, je vais monter dedans, il faut des vis, je les ai. Je les place un peu à caméra. Voilà. Le disque dur en terre. Hop. Tu avais le disque dur avant, on a lâché. C'est un vieux disque dur à pile 5 ans d'âge, il a lâché. Parce que c'est un pas de 5 ans. En fait j'avais tout en double dessus. Donc au final j'ai rien perdu. En même temps j'avais pas trop confiance. Donc bien que HP ait utilisé des vis Torx, moi je vais mettre des vis classiques que je me réserve. Parce que fuck les Torx, c'est pas pratique. Petit embout de Torx. On va bien se barrer de là. Il est bien collé avec les gants. Je fais une passe. Bien ça. Hop. Bien. Donc j'en étais à mettre les donc ils sont montés comme ça dedans. C'est pas top top de la part d'HP. Mais ça fonctionne, c'est que ça fonctionne. Donc du coup, mon disque dur d'un tera, il est le plus près de la caisse, de l'endroit où ça ventile. Donc théoriquement, il est mieux refroidi. Au fond de la caisse, il y a quand même une aération, enfin je veux dire du côté droit de gauche de l'ordinateur quand on regarde en face. C'est de petits trous dans la pièce en acier pour qu'il refroidisse. Voilà. Faut penser aux vis hein, quand on fait des constructions. Moi ça va que je récupère des ordi et tout. Et je me fabrique mes trucs. Donc voilà les deux montées.
comme je vous disais, au fond de la caisse, il y a quand même quelques aérations. Je vais remonter ça en place. Je comprends pas pourquoi c'est pas compatible, parce que c'est exactement les mêmes au final au bout. J'ai un peu titillé puis ça va rentrer. Salut Pierre, ça peut se brancher normalement. C'est les mêmes, hein. Ouais, quand ça veut. Que je mets les deux mêmes. C'est pratique d'avoir des longues, mais c'est pas très esthétique. Je peux les faire passer par là, les faire revenir. J'en mets une sur les deux en longue. Hop, j'ai le courant qui arrive derrière. Je vais les mettre en place et après seulement je vais brancher. Voilà. Bien monté. Ça va faire du bien d'avoir ça. Regarde si elle est montée par là. Le premier hier. Bon, un peu moins pratique d'y accéder maintenant, mais ça le fait. Connecté comme il faudrait. Tout est en place, je vais juste monter mes USB en plus. Ça se passe plus de ce côté. J'enlève un des slots. Jamais sûr qu'il soit dedans ces trucs là. C'est pas très pratique leur système. Peut-être qu'une vis, mais c'est pas le truc qui tient mieux au monde. Hop, ça, USB 2. Et là, je crois qu'on est tout branché.
Qui commence à se casser la gueule. Mais... Et souvenez-vous, toujours en dernier, c'est vraiment en dernier qu'il faut mettre le courant. De toute façon, on va aller couper la prise. On met toutes les USB. Je testerai après la carte, déjà je vais voir si le disque dur il fonctionne. C'est pas toujours le cas. Sans la garantie constructeur dessus. Ouais, j'ai entendu le disque dur. Dixième. J'ai le boot. Ça c'est normal, c'est parce que j'en ai rajouté un. Démarrage de Windows. Allumer mon ampli sur vidéo. Sur deux tout le temps. Sauf des fois quand je fais des appels Skype parce que ça siffle un peu, je sais pas si on entend sur la caméra. Allez. Ouais, après je vais partir. On va aller voir un truc, mais. Enfin, en voiture, je veux dire. Adobe, toi, t'attendras un peu. C'est bien, du coup je pourrais faire plein de vidéos sans galérer. Sans galérer niveau mémoire. Là ça me tente d'aller sur ordinateur. Et donc pas reconnu pour l'instant. Ce qui pue la merde, mais. Revois ça. Ah, installation du périphérique. C'est ça. Soit c'est les ports USB, soit c'est le disque dur. Vous savez quoi, je vais laisser charger mon ordi. Je vous revois avec ça plus tard. Donc, bien plus tard, frustration plus tard, tout ce que tu veux plus tard. Voilà. J'ai enfin réussi à... En fait, j'avais besoin d'un gros formatage. Donc, en fait, les disques durs supérieurs à 700 Go, apparemment, ils ont besoin d'un formatage manuel. Et là, je suis en train de le faire. Donc, il est à 2%. Ça va prendre pas mal de temps, vu que c'est un Tera. Enfin,
931,51 Go. Ils appellent ça un tera, comme ça c'est vendeur, mais bon, il nous sucre quand même à peu près 30 gigas. Hein. Comme lui, 780 normalement. Et il met 700. Enfin, voilà quoi, ils en profitent bien. Après, c'est juste les autres volumes. Donc, je suis allé dans panneau de configuration, système et sécurité, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, oui. Et là-dedans, je suis allé dans stockage, gestion des disques. Vous voyez, ça charge en bas là. Peut-être parce qu'il y en a un autre en route, c'est... Ouais, enfin bref. Et après, du coup, vous tombez sur ça. Voilà, gestion de l'ordinateur avec gestion des disques. Je suis dans gestion des disques là. Donc il y a mon disque dur 1 qui est de 700 gigas, voilà. Le disque dur 2 qui est... Enfin, disque 0 parce qu'il est branché en SATA numéro 0. SATA numéro 1, c'est le disque 1. Et en 4% de formatage. Je l'ai laissé charger. Mais voilà quoi, du coup je pourrais mettre toutes mes musiques tout sur... l'autre, et le beau jour où il lâchera le disque dur de principal, au moins j'aurai gardé ce qui est cher à mes yeux. Le reste, je m'en fous un peu en fait. Musique, film, photo et vidéo YouTube, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Le reste, je m'en fous. Franchement, les jeux, tout ça, ça se refait. Les photos de vacances uniques, non, ça se refait pas. Ça, j'ai mis un bon disque dur Western Digital, franchement je vous les conseille. Ou les Seagate, les Barracuda, ils sont pas mal. Il y a ma chaîne, ouais, j'ai encore des vidéos à faire dessus. Pas trop le temps, donc j'ai bossé sur mon lit. Hein. J'ai essayé différentes prises SATA parce que je pensais que ça venait de ça, mais non. Donc celles finalement que j'ai achetées en brocante, je les ai pas mises, elles sont trop longues. Et j'en ai retrouvé une plus petite que j'ai mise dedans. Mais c'est bien parce que celle-là, elles ont les bouchons et tout. Vous voyez, hop, comme ça. L'autre, c'est pareil. Là-dedans, je mets mes vis d'ordi. Là, j'ai un truc rempli de vis. Et lui, il est mort. Ce disque dur là, il est mort. C'est con parce que c'est un Western Digital. Caviar, ouais, enfin, c'est pas les meilleurs. C'était les entrées de gamme. 5 ans pile, il est mort. Obsolescence programmée. Donc, 5 ans et un jour pour être précis. Toujours ça, mais bon, j'ai commencé à le dévisser pour voir dedans, mais il n'y a plus qu'une qui m'emmerde. Parce qu'après, moi je les accroche les. Et il y en a un là. Il y en a un là. J'en ai d'autres en réserve, mais je vais pas les accrocher. Toujours mon boîtier de traction d'ailleurs, faut que je recherche les. Les roulements sur internet. Je vais faire une petite vidéo, je nettoie ces pièces en acier ainsi que ce fer à cheval pour que ça change un peu. Et on est où, Coco? 6%. Bon bah je vais être patient et puis dès que c'est fini je pourrai le mettre. C'est vraiment bien ce chien. Bon bah je vous dis non, pas tout de suite, à la prochaine, mais retourner un peu quand une fois qu'il aura fini de formater. Donc on se retrouve bien plus tard, il est 23h30 maintenant. J'ai enfin réussi à faire le formatage de mon nouveau disque dur de 1 tera. Donc on le voit ici, il est classifié par la lettre A. Donc là on voit 931 gigas au total, donc enfin c'est un tera en gros, et 700 gigas de libre parce que j'ai déjà pas mal commencé à mettre les tout ce qui est bordel, genre enfin musique, film, YouTube, ce que j'ai déjà parlé tout à l'heure dedans, donc voilà, en train de se mettre. Et là, bon, là ce qui prend le plus de place, c'est YouTube bien sûr, c'est vous, avec 2265 éléments et 179 gigas. Une heure restante, il me met
Bon, ça reste un... Je sais pas si je peux le choper. Voilà, en plus de détails. Donc là, il a 52 mètres au seconde. Tout à l'heure, il était à 70. Donc c'était très bien. Le mien, là, j'ai juste viré de tout ce qui est film et photo. Enfin, mon disque dur principal. Donc mes dissolve... pardon. 220 giga libre sur 684. Et l'autre, bah, j'ai de la place complètement illimitée. C'est vachement bien. Et bah, je vais terminer cette vidéo là-dessus, et puis on se dit à la prochaine.